Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en lien avec la future série Halo. Vous savez qu'elle est en production, on sait déjà quelques acteurs qui seront à l'intérieur et quels personnages ils joueront. L'un de ces personnages, c'est l'amiral Parangoski. Je vous propose aujourd'hui de découvrir qui elle est. Margaret Parangoski dit entre autres la vieille Maggie, un surnom qui fait gentil, mais ce personnage de l'univers Halo est à ne pas sous-estimer. Parangoski a été l'amiral et directrice des services des renseignements de la Navy de l'UNSC, soit l'ONI, rien de plus. Margaret est née en 2461, on la définit comme étant minuscule, mais forte et froide comme la glace, des traits parfaits qui correspondent au chef de l'ONI. Parangoski a commencé sa carrière à bord de l'UNSC Lutyens et était très attaché à ce vaisseau, causant une grande peine lorsqu'il fut envoyé à la casse. Pour autant, ça ne l'empêchera pas d'intégrer l'ONI et de lui faire vivre son âge d'or. De par son poste, l'amiral Parangoski fut étroitement lié au projet Spartan, les voyant naître un à un, validant les diverses étapes des projets. Pour autant, elle était loin de porter dans son cœur Catherine Halsey, créatrice des Spartans. On dit même qu'Halsey est l'une des seules personnes à lui donner autant de résistance. Concernant Halsey, elle considérait Maggie comme une personne dangereuse dont elle avait réellement peur. Lors du projet Spartan 3, Halsey fut exclue par Parangoski. Pour autant, alors qu'elle fut emprisonnée, Halsey fut contactée par Parangoski lui demandant de l'aide lorsque l'Infinity avait trouvé un artefact Forerunner sur Requiem. Quand Halsey était la pire ennemie de Parangoski, Osman était sa protégée. Rares étaient ceux ou celles qui pouvaient entretenir une relation de confiance comme elles pouvaient toutes deux avoir. À la fin de sa vie, Margaret Parangoski passera son leadership de l'ONI à sa protégée Serine Osman, personne que vous avez pu rencontrer dans le Spartan Ops de Halo 4 et dans les comics Halo Escalation. Vous en savez aujourd'hui un petit peu plus sur le personnage de Parangoski. Point qui demeure intéressant donc, comme je disais en début de vidéo, elle était jusqu'alors présente seulement dans les livres, mais sera aujourd'hui présente dans la série télé Halo, et ça va permettre de pouvoir approfondir le personnage et de le populariser un petit peu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo Halo telle qu'elle soit. On se retrouve bientôt. Salut à tous, vive Halo !